Puisque vous le savez, hein, cette émission, c'est une émission de détente dans la bonne humeur. Nous allons inviter notre humoriste Jojo, hein, qui va nous présenter quelque chose concernant la jalousie. Vous allez voir jusqu'où, comme on le dit, la jalousie va mettre du sable dans votre gare. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Allez, on découvre ensemble. Je vais vous détruire, monsieur, vous allez entendre parler de moi. Salut. Ah, ça y est, tu es en bas? D'accord, j'arrive tout de suite. Bon chéri, je descends, s'il te plaît, surveille-moi la marmite. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, tout à l'heure. Vous venez draguer ma copine devant chez moi, vous vous prenez pour qui? Vous venez, c'est quoi? Tais-toi là-bas. Attendez, qu'est-ce que je cherche mon CV ici? C'est le chef d'entreprise dont je t'ai parlé pour le boulot, pour te trouver du travail. Je vais vous détruire, monsieur, vous allez entendre parler de moi. Je vais vous détruire, vous connaîtrez mes amours. Quittez là-bas. Oui, pipi. Je n'ai même pas de boulot, il veut me poursuivre. C'est pas normal. On dansait, on faisait pas par là. Je dis qu'on dansait, on faisait pas par là. Il n'a même pas le bout de boulot et puis on va le poursuivre. C'est dommage, ça craint, hein, Rock. Vous avez vu jusqu'où sa jalousie là. Voilà, donc il faut patienter. Tu n'as pas de boulot, ton épouse fait tout pour te trouver un boulot. C'est toi qui veux montrer que tu es le plus amoureux de tout et qui veut lui montrer que tu es jaloux. Mais l'eau bouillante avec du piment, est-ce que ce n'est pas un peu abusé aussi? Ben, le monsieur va porter plainte certainement, justement. Hein. Et aller au bout où il a menacé quand même. Ah oui, hein. Jojo, il faut faire attention désormais. Et des hommes sont aussi jaloux. Tout à fait. Bon, des femmes aussi, il parfois. Il faut apprendre à faire confiance en son ou sa partenaire, l'écouter d'abord avant d'agir. Hein. Vous voyez, sinon, généralement, on se voit confronté à ces réalités. Puis, vous-même, vous savez, peut-être que la dame a déjà tout négocié. Faites venir votre mari pour qu'il commence à travailler, mais voilà que bon, voilà. Bon, faites attention désormais, donc merci à Jojo.